voyez, je vais parler d'elle, il y a donc une simple nez, il y a une pucette entre les deux viols, des contacts, et donc deux voitures qui sont frappées, remontées, sans aucun problème, tout ce qui a repris le point d'horizon, et devrait donc se retrouver dans les deux premiers, deux ou trois foyers maximum. Thank you.
va vérifier tout ça tout de suite. Voilà, Franck vient se garer en dessous de la passerelle. Alors on signale que le numéro 10 s'est arrêté sur le siège. Voilà. Ah voilà. Ça a donc pas du comment. Ah, on l'a pas vu sur les écrans de contrôle. Alors voilà la piste pourtant. Ah, déjà. Juste de garer derrière Franck. Avec son beau décor de raisin sur son capot avant. La 7 est gardée également. Et puis d'ici quelques instants, on va retrouver Marc sur le podium. Et vont se préparer. Alors on devrait normalement avoir, si on en croit l'écran de chronométrage, pour les Lotus Catera, le tiercé suivant, Pascal Bélier, on dit s'il y a son numéro 7 qui annule. Oui, et Pierre Dufay, numéro 15. Voilà. Ne tourne pas. Allez,